Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing assez particulière. Ce sera pas un clavier aujourd'hui, mais aujourd'hui ce sera bien un casque de la marque The G-Lab. Donc on va tester ce casque qui est apparemment 7.1 et RGB, donc ça je crois fortement. Mais le 7.1 il m'intrigue. C'est un casque qui coûte actuellement 50€ sur Amazon. Vous aurez un petit code de réduction de 5% si vous voulez en acheter un, donc vous inquiétez pas. Voilà, en attendant j'ai bien hâte d'ouvrir ce colis. Mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Faites-le, comme ça vous n'oublierez pas, comme ça ce sera fait. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. En tout cas nous on va unbox ce joli colis de la marque The G-Lab. On se retrouve en mode unboxing, c'est parti. Ok, et bien c'est parti pour unbox ce joli colis. On va commencer par l'ouvrir de ce côté-ci. Ah, il faut un petit couteau. Voilà, j'ai ce qu'il faut, hop. Ok, donc pour l'instant ouverture complètement basique. Enfin non, même pas. Ah, je viens de tout niquer. Là franchement vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Comment on ouvre ça déjà? En fait on a coupé les deux côtés. Et là faut juste enlever les petits trucs là. Ok, c'est assez complexe. Ok, donc c'est parti. Ouverture du casque. Déjà le packaging aussi, je vais pas trop m'attarder dessus, mais il est propre, franchement. Très propre, très très propre. Ça met en valeur le produit, on voit directement le produit. C'est encore mieux qu'un beau dessin du produit. Ok, enfin qu'une belle photo je veux dire. On a tout ce qu'il faut les amis. On a d'abord le câble, donc voilà. Ensuite, bah heureusement qu'on a le casque. Ah bah non, en fait il y a un câble, mais ok, c'est un espèce d'adaptateur. Je sais pas pourquoi il y a un câble blanc. Ah, c'est un truc pour rallonger le fil je crois. En tout cas on a le casque. À savoir aussi que moi je suis très difficile niveau casque. Ça se peut que le casque je dise que je trouve plein de défauts. Enfin plein de défauts, plein de trucs qui vont pas pour moi. Mais les gars je suis vraiment compliqué en casque. Sincèrement, de base les casques j'aime pas trop. C'est pour ça qu'avant j'avais des écouteurs. Donc on a ça, ça permet de gérer le son et le micro et de couper le micro. Ok, on va tout simplement enlever le truc qui tient les fils. Est-ce que le câble est assez long? J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'il est pas mal long quand même. Ce qui est assez pratique quand même, on va pas se mentir les amis. Ok, donc là il y a un truc pour l'attacher. Ok, donc au cas où ça nous casse les couilles qu'on veut l'attacher les fils. Ok, donc parfait. Ensuite on va enlever ce câble. Donc ça, en fait c'est un câble USB mâle femelle, genre regardez. En fait c'est un câble USB, mais genre limite en fait on peut faire comme ça. Non ok, ce câble là en fait il sert à allonger le fil en fait. Vous branchez ça au bout du casque, ce qui permettra de rallonger le fil tout simplement. On va enlever la paperasse parce que là la paperasse ça commence à un petit peu nous envahir. Et ça c'est jamais bon en unboxing. Après c'est vraiment un gros bordel. Ok, donc là les gars on a tout ce qu'il faut. On va commencer à brancher le casque pour voir un petit peu le RGB parce que je pense que le RGB est tout simplement mis directement quand on branche. Ok, donc c'est exactement ce que je pensais. Voilà, le RGB est directement mis. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, le câble là, on en aura peut-être pas besoin dans cette vidéo étant donné que je trouve que le câble est assez long de base. Mais voilà, c'est une petite valeur ajoutée qui est vraiment pas négligeable. Ok, donc là, en fait, vous pouvez éteindre le RGB en appuyant dessus. Ok, couper le micro, c'est ici en fait. Le micro c'est juste ici. Ok, le micro on va, en fait déjà on va regarder et après je vais le mettre. Mais déjà le micro, ok. Moi je le trouve un petit peu grossier, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve un petit peu grossier, je le trouve un peu gros. Non je crois pas qu'on puisse l'enlever, ça aurait été cool quand même. Si vous avez pas besoin de micro, par exemple moi, regardez, dans mon cas j'ai déjà un micro, un Rode NT-USB. Et si j'achète un casque c'est pas pour le micro. Bon ok, on va tester le casque les gars. Après le problème dans ce genre de vidéo c'est que je pourrais pas réellement vous montrer la qualité du son. En fait le casque à l'intérieur du coup bah ça va être difficile. Mais je vais vous décrire comment je trouve. Genre très honnêtement, déjà le design il est pas mal en vrai, genre regardez. Je sais pas si vous avez vu mais il y a des petits crans. Voilà, il y a des petits crans et ça rend vraiment stylé. Avec le RGB et tout c'est pas trop. En fait ils en ont pas trop fait mais c'est parfait. Genre ils en ont fait mais pas trop. Et du coup je trouve que c'est vraiment bien dosé. Et ça rend pas trop, il y a des casques ça fait trop après, genre vous voyez ce que je veux dire. Les RGB après ça fait vraiment trop sur les casques. Genre partout, là c'est une petite ligne. Avec The G-Lab en plus c'est très stylé. Ça, non j'ai pas l'impression que ça bouge. Le RGB ne bouge pas. Ok, il bouge pas en fait, il reste rainbow. Et ça, ça peut être cool parce qu'un casque qui fait des centaines de lumières après, genre c'est un peu chiant. Mais du coup là, c'est parfait. Après, vous pouvez ajuster votre taille. Mais comme j'ai pris la grosse tête, moi je pourrais peut-être augmenter à fond. Donc ça, c'est parfait, ils ont pensé à moi. C'est vraiment sympathique. Parce que là, quand on est youtubeur, on prend vraiment le melon. Donc les gars, on va le mettre tout simplement sur la tête. Je vais écouter un petit peu des musiques avec. Et puis on va voir ce que, tout simplement, ce qu'il en sort et comment ça rend avec le casque. Donc on se retrouve pour un petit test. I love everything. Fire spreading all around.
around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Juste avant de passer au test, je vais vous énoncer quelques caractéristiques du casque, comme par exemple le fait qu'il soit ultra immersif en 7.1. Il a aussi un micro à réduction de bruit pour tout simplement une meilleure qualité audio. Il est aussi ultra englobant, ce qui vous permettra d'être au cœur de l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que vous entendrez réellement dans votre jeu et pas les sons autour. Il a bien évidemment un rétroéclairage RGB et un logiciel qui va avec, vous verrez ça après le test. Et bien heureux les amis, on se trouve tout simplement avec un nouvel objectif qui fait un angle un petit peu plus spacieux. Donc je me suis dit, ça peut être mieux pour cette séquence test. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que celui-là je l'ai jamais montré en vidéo en fait, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on va mettre le casque et on va écouter une musique qui est assez spéciale, une musique en 8D. Alors en fait la 8D vous allez comprendre vite ce que c'est. Si vous avez un casque vous allez encore mieux comprendre, mais si vous n'avez pas de casque, en fait si vous voulez, c'est comme si que la musique se déplaçait derrière vous et que vous étiez dans une salle de concert en fait. On a vraiment l'impression que la musique passe à droite et à gauche, devant, derrière. On va mettre le casque. Alors là j'ai l'impression de plus rien entendre. Est-ce qu'il est bien mis? Parce qu'en fait comme je prends la grosse tête Ok les gars, donc on se retrouve pour tester tout simplement le casque. Alors là vraiment je m'entends vraiment pas parler. On est vraiment bien dans le truc en fait. J'ai vraiment l'impression que le casque englobe bien tous les sons et on peut pas entendre à l'extérieur en fait, genre les gens parler derrière. Donc c'est parti. Donc franchement c'est assez concluant, on va tester ça sur Minecraft. Et oui les gars, ça faisait vraiment longtemps. On va faire une petite game et puis on va voir ce qu'il en est du casque tout simplement en jeu. Donc alors on va tester ça sur Minecraft et on va voir un petit peu les sons du jeu. Donc on va bien augmenter et puis je vais vous dire tout ça. Ok donc c'est parti les gars, on va faire un petit fight. On entend bien pour l'instant, mais le mieux ce sera quand l'ennemi sera derrière nous et les petits bruits environnants, genre à droite et à gauche. Parce que quand le mec va être devant, on va vraiment pas trop entendre. Ok, bah franchement, voilà. Voilà pourquoi je joue pas Minecraft, les gars, regardez. Mis à part ça, attendez, on va faire un petit test. Alors, attendez. Ok, ouais. Franchement, ok. Ok, donc, je pense clairement qu'il cheat. Ouais, je pense clairement qu'il cheat, et ça, c'est vraiment chiant. Ok, donc, les gars, ok, j'ai testé un petit peu. Franchement, on ressent le 7.1 quand on est en game, mais là, je l'ai mis vraiment. Mais sinon, on peut quand même distinguer si c'est à droite, à gauche, derrière, ou, enfin, genre... vraiment l'angle où est-ce que le mec est. Donc c'est plutôt sympa les gars, franchement c'est plutôt sympa. Maintenant je vais vous laisser découvrir le logiciel les gars. Je tiens à préciser qu'il y a aussi un logiciel qui va avec le casque pour pouvoir gérer un petit peu tout. Donc on a droite gauche, le débit total, activer désactiver le micro, le débit du micro et un petit peu plus d'informations. Et bah franchement voilà, ça peut être cool pour gérer directement sur le PC votre périphérique grâce à ce GLAB Audio Center qui est le logiciel qui va avec le casque tout simplement. En faisant clic droit et en cliquant sur 7.1 Virtual Speaker Shifter, vous pouvez avoir accès à des informations et aussi activer le 7.1, sinon vous n'aurez pas le 7.1 activé. Donc cliquez ici et après vous pouvez augmenter ou descendre et là vous avez réellement, vous pouvez bouger les emplacements de tout. Et c'est plutôt sympathique pour avoir vraiment quelque chose de précis sur la 7.1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu avec un petit produit assez particulier que j'ai pas l'habitude d'ouvrir. Toutes les informations se trouvent en description pour pouvoir acheter le casque ou juste voir le site de GLAB. Donc je recommande ce casque à tous les gamers qui ont un budget de moins de 50€ parce que vous avez le code de réduction qui est dans la description. Donc tous ceux qui veulent un casque de qualité à un prix moindre, bah n'hésitez pas à aller l'acheter. Merci à eux d'avoir collaboré avec moi et en tout cas on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était JX.